Bonjour à tous, je me prénomme JustSpace, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il sera question donc d'innovation, plus précisément sur la thématique du marketing d'influence. Est-ce que vous savez ce que c'est le marketing d'influence? Non, ok. Le marketing d'influence, c'est un tout nouveau type de marketing qui va s'appuyer sur des leaders d'opinion, des influenceurs, afin de mettre en avant, promouvoir des objets, des services. Malheureusement, cette notion est un petit peu flouée ces derniers temps, la notion d'influenceur, par le mot influx voleur. Des leaders d'opinion, des influenceurs, qui vont vous proposer des produits souvent issus du dropshipping. Le dropshipping, c'est lorsque vous achetez sur un site et que le fournisseur en question passe par un fournisseur tierce. Donc il ne gère ni les stocks, ni les envois de commandes. Des produits donc issus du dropshipping que vous n'allez jamais recevoir et souvent vendus à des prix beaucoup plus élevés. Ainsi, pour continuer dans cette explication, il est important pour moi de différencier les influenceurs des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, quant à eux, ce sont souvent des personnes qui sont passionnées, qui vont mettre en place leurs idées, souvent sous forme de vidéos, et vous les proposer sur les plateformes les plus populaires. Je pense que je fais partie de cela. Réfléchir, tester, mettre en place, tenter l'innovation, ça fait partie de moi. Malheureusement, subsistent quelques problématiques, notamment une principale à laquelle j'ai dû faire face, à savoir quelles sont les limites finalement de l'innovation sur un marché qui ne serait pas encore mature. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit rappel, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je grandis avec un père gamer, toutes les consoles à la maison, je suis déjà au top de l'innovation finalement, et je me rappelle des week-ends passés entièrement avec lui sur la console de jeu. Malheureusement, ces moments précieux avec lui vont être écourtés très rapidement dès l'arrivée de ma petite sœur, qui va être suivie un an plus tard par l'arrivée de mon petit frère. En toute honnêteté, c'est tout mon monde qui va se chambouler. Je n'aurai plus le même temps de jeu avec mon père, le même temps tout court finalement, et je vais me sentir vraiment très seul. Je vais continuer à grandir toujours avec les jeux vidéo et même secrètement peut-être rêver d'en faire mon métier. Mais c'est réellement à l'adolescence, en 2008, soit 10 ans après Windows 98, c'est incroyable, que je vais avoir une révélation. Je vais être bloqué sur un jeu et je ne vais pas trouver la solution. Pas même mon père gamer va pouvoir me venir en aide. C'est donc à ce moment-là que je vais innocemment googliser le nom du jeu ainsi que le niveau sur lequel je suis bloqué. Et c'est là que la magie va opérer. Je vais découvrir YouTube, une plateforme qui permet le partage de vidéos libres, le partage de contenu que l'on souhaite. Donc je vais découvrir des personnes qui partagent des moments de vie, des moments de joie, des anniversaires, des baptêmes. Et je vais aussi découvrir des personnes, des créateurs de contenu qui partagent leurs meilleures parties sur certains jeux. Et je vais donc trouver la solution à mon jeu. Et c'est à ce moment que mes sens vont s'éveiller. Très rapidement, je vais décider, pardon, de moi-même devenir YouTubeur. Et je rigole déjà. Le tout premier contenu sur lequel je vais me concentrer, ce sera sur la thématique des jeux vidéo et pour vous faire court, sur Pokémon. Voilà, donc c'était ma passion avant, je n'ai aucune honte à le dire, j'étais un grand fan de Pokémon. Et pour me défendre, le but du jeu, ce n'était pas juste d'attraper Pikachu, il y avait de la stratégie et autres. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu la bougeotte, donc on va faire une avance rapide sur 2012. Nous sommes en 2012, ça fait 3 ans que je produis du contenu sur Pokémon, et bien évidemment, le jeu m'a saoulé. Je n'en peux plus, et je me rends compte finalement que je tourne en rond dessus, et surtout, déjà à cette époque, je me rends compte que finalement, si je veux étendre ma communauté, je ne pourrais pas le faire avec ce jeu-là. Dans le même temps, Internet change, Internet évolue. On assiste à l'arrivée des réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat, Instagram. Il devient même intéressant, du coup, pour nous qui sommes créateurs, de s'insérer sur ces plateformes-là. L'intérêt pour moi de produire du contenu sur un des jeux les plus populaires du moment sera encore plus présent quand mon frère va me faire découvrir Call of Duty. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Call of Duty ici? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, voilà. Call of Duty. Fort de sa popularité, je vais constater que sur YouTube, il existe de nombreux créateurs qui propose du contenu sur Call of Duty. Pour ma part, la prise en main du jeu sera rapide. Le jeu me plaît et excusez-moi pour toutes les personnes qui n'ont pas levé la main, Call of Duty, c'est un jeu de guerre où le but, c'est d'éliminer l'ennemi en équipe, tout simplement. Du coup, je vais avoir l'envie
de proposer du contenu sur ce jeu, finalement, qui répond à toutes mes attentes, la popularité et la possibilité pour moi de produire du contenu. Et pour ce faire, je vais donc faire une analyse du marché, constater de ce qui se fait déjà, en fait, sur la plateforme. Et après mon analyse, je vais me rendre compte finalement que la plupart des créateurs proposent la même chose. Ils partagent leur meilleure partie, nous expliquent comment arriver d'un point A à un point B rapidement, quelle arme utiliser sur les cartes en question, mais finalement, jamais d'informations sur le créateur en question, jamais d'informations sur sa personnalité, jamais d'informations sur ses habitudes, ce qu'il aime vraiment. Et c'est donc à ce moment-là que je vais essayer d'innover. Finalement, qu'est-ce que l'innovation? Je vais essayer de vous donner ma définition. Pour moi, l'innovation, il y a une part de créativité. La créativité, ça va être l'ensemble des idées qu'on peut avoir et qu'on va essayer de mettre en place. L'innovation, ça va être la validation de nos idées qui, après vérification, justement, on constatera un changement de mode de consommation de la cible. Et donc, mon objectif sera le suivant: innover le marché de Call of Duty sur YouTube. Alors, pour procéder, je vais tout simplement faire comme tous les autres. Moi aussi, je vais partager mes meilleures parties parce que j'en étais capable. Mais la différence se situera dans ce que je raconterai dans les vidéos. Et très rapidement, j'ai compris que les personnes qui regardaient les vidéos s'attachaient aux personnalités. Et c'est comme ça que mon tout premier concept sur YouTube naîtra, les Story Life. Les Story Life, pour traduire en français, c'est l'histoire de ma vie. Les Story Life vont représenter une cinquantaine d'épisodes sur 2 ans, où à chaque vidéo, je raconterai mes plus belles anecdotes. Le premier râteau que je me suis pris, la fois où j'ai passé mon bac, la fois où j'ai raté mon permis, et autres. Et finalement, ce concept, il va me permettre d'atteindre les 100 000 abonnés, rapidement. Et on va se rendre compte finalement que c'est le fait de s'attacher à la personnalité du créateur, se rendre compte que les personnes qui regardent le contenu vidéo peuvent, elles aussi, vivre la même chose ou être peuvent s'assimiler finalement. Et c'est comme cela que je vais réussir à constituer ma toute première vraie communauté. Ce qui va être intéressant aussi de constater avec ce projet, c'est qu'il y aura un avant-après. J'aurais, à mon sens, réussi une certaine forme d'innovation, puisque, voilà, on constatera que quelques années plus tard, de nombreux youtubeurs reprendront le concept, l'adapteront à leur communauté et finalement raconteront leurs anecdotes en vidéo. Voici quelques exemples. On va faire une petite avance rapide une nouvelle fois. Comme vous le voyez, j'ai vraiment la bougeotte, je bouge de partout. On est en 2014. Et une nouvelle fois, je suis fatigué de Call of Duty. Le jeu ne m'intéresse plus. À mon sens, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. J'ai apporté ma pierre à l'édifice et donc j'ai l'impression qu'il me faut un nouveau défi. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, mon amour pour le foot grandissait. Je suis un grand fervent supporter du PSG et j'espère que je ne suis pas le seul dans la salle. Ouais, bizarre. Allez, Paris. Donc je vais m'orienter vers FIFA, le jeu de foot numéro 1 en termes de simulation. Ma recette va être la même, je vais mettre en avant ma personnalité au détriment de juste ce qu'il se passe dans le jeu. Donc finalement, le jeu sera toujours pour moi un support, un prétexte finalement, me permettant de produire des vidéos, mais ce qui sera intéressant, c'est ce que je raconterai dedans. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce jeu FIFA va me permettre de passer un cap réel. Je vais passer de 100 000 abonnés à 400 000 abonnés. Ça va être aussi le moment où je vais devoir commencer à me professionnaliser parce qu'à cette époque, les marques commençaient à nous approcher. Qui dit marque dit opération commerciale. Qui dit opération commerciale dit émission de facture. Qui dit émission de facture, il faut un statut. Bref, vous avez compris. Dans le même temps aussi, comme je vous ai dit auparavant, j'étais sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Et j'ai oublié de vous omettre un détail. C'est vrai que mes études, mon master digital marketing que je préparais à l'époque, m'a beaucoup aidé dans ça. Et qui dit études, c'est vrai qu'au début j'ai parlé de mes parents, enfin de mon père plutôt, de façon très positive, mais les études c'est très important, les jeux vidéo aussi, mais les études je crois que c'est encore plus important. Du coup, quand je préparais mon master digital marketing, j'ai dû faire un choix à un moment donné, c'est-à-dire mettre de côté ma chaîne, même si ça m'a fait beaucoup de mal, mais j'étais obligé de le faire parce que mes parents
m'obligeait pas forcément, mais il me le recommandait, gentiment. Du coup, j'ai préparé mon master digital marketing et j'ai fait en sorte d'avoir rapidement mon diplôme. Nous sommes du coup en 2017, le master en poche. Je me pense délivré, mais je me suis trompé. Lorsque j'ai eu mon master, ma mère m'a obligé à valoriser le diplôme en ayant une première expérience en entreprise. Chose que je vais faire, de toute façon, je n'avais pas le choix. Et donc, je vais obtenir une première expérience en tant que consultant en transformation numérique. Ne me posez pas de questions, je ne peux pas vous expliquer réellement ce que c'est. Je voudrais juste remercier un homme qui a beaucoup compté pour moi et qui m'a donné beaucoup de confiance, Monsieur Layani, qui m'a embauché sur profil et qui, lors de l'entretien, m'a posé des questions très pertinentes, à savoir quelles étaient mes motivations à rejoindre l'entreprise. J'ai été honnête avec lui, je lui ai dit que j'en avais pas vraiment, c'était mes parents qui m'obligeaient. Et ce qui est incroyable, c'est que, en réalité, il faut être honnête parce que j'ai été embauché. J'ai été embauché en étant honnête. Ce qui va être intéressant de constater, c'est que durant cette période où je me focalisais beaucoup plus sur le professionnel, je n'avais plus le même temps. Je n'avais plus le même temps à passer sur les jeux vidéo. Je ne pouvais plus jouer autant à FIFA. Et je dois vous dire la vérité, mon intérêt aussi pour les jeux vidéo diminuait. Alors le peu de temps qu'il me restait, je le consacrais à ma passion première, qui est la musique. J'ai une grande passion pour le rap, pour la culture urbaine. Et donc le peu de temps que j'avais, je m'amusais à proposer des vidéos sur des analyses de rap. Voilà. Des analyses d'albums de rap, pardon. J'analysais les albums, je donnais mon avis. Parfois, je me faisais taper dessus parce que les gens n'étaient pas d'accord. Mais en tout cas, c'était une façon pour moi de pouvoir extérioriser peut-être la frustration que j'avais de ne pas pouvoir être aussi régulier qu'avant. Mais ça me permettait d'être actif et surtout de proposer encore une fois quelque chose de nouveau. Lorsque je vais intégrer cette entreprise, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu abusé de la gentillesse du patron. Et donc, j'ai surtout passé mon temps à mettre en place des formations réseaux sociaux à l'encontre des cadres seniors qui découvraient les réseaux sociaux, les hashtags, les 140 caractères à l'époque de Twitter. Mais surtout, penser à un nouveau format. Je pense que vous l'aurez compris, l'innovation, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, que je sois actif ou pas. Et c'est donc à cette période que je commence à m'intéresser à Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Est-ce que vous connaissez ces présentateurs que je cite, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon? Ce sont des présentateurs de talk show aux États-Unis qui arrivent à mettre en avant le divertissement comme personne. Ils ont une façon de présenter les choses, de séquencer leurs interviews, d'axer leur contenu sur la personnalité de l'artiste. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place par moi-même. Durant cette période, du coup, quand je travaillais, la majeure partie du temps, je le passais à penser ce nouveau concept. Et une fois que le nouveau concept sera pensé, de la même façon que j'ai fait pour Call of Duty, que j'ai fait pour FIFA, je vais analyser le marché des interviews dans le rap en France. Et je vais me rendre compte, encore une fois, que la plupart font la même chose. Les interviews sont monotones, les interviews sont longues, on s'intéresse qu'à ce que l'artiste a à vendre. Et finalement, on s'ennuie, tout simplement. Donc, je me dis que j'ai ma carte à jouer. J'ai ma carte à jouer avec un concept qui va s'appeler l'open space, qui va émettre la promesse à la personne qui la regarde de voir une interview dynamique, séquencée et surtout axée sur la personnalité de l'artiste. Les deux premiers épisodes que je produirai seront autofinancés par mes soins et très rapidement, grâce aux quelques vues qu'on a pu faire, je vais être approché par une grosse entreprise de production télé. Je ne peux pas la citer. Cette entreprise va me proposer un système de coproduction. Est-ce que vous savez ce que c'est la coproduction? Non? La coproduction, en fait, c'est moi j'ai mon projet, je dois léguer 50% contre un studio dans lequel je pourrais donc faire mes vidéos, mais aussi une équipe de tournage, ce qui est important quand même, avec du matériel, et l'objectif de pouvoir s'affilier à des marques, des sponsors. Pourquoi? Parce que ça coûte de produire un épisode. Donc l'idée de s'affilier avec une marque, c'est de pouvoir couvrir les frais de production et pourquoi pas dégager du bénéfice. Du coup, avec cette entreprise, 7 vidéos vont être produites pour un total
de 4 millions de vues, le succès sera au rendez-vous. Le succès sera tel que l'année qui suit, je serai racheté à 50%, bien sûr, par cette fois-ci le leader de la production digitale. Ensemble, nous ferons cette saison. Lorsque j'ai été racheté par cette entreprise, la promesse, elle était incroyable. Tu auras un meilleur studio, tu auras une meilleure équipe, et surtout, on connaît tout le monde. Donc ne t'inquiète pas, les marques seront au rendez-vous et on sera sponsorisé. Pour vous faire court, la collaboration avec cette entreprise n'a pas été fructueuse. Finalement, lorsque vous regardez les statistiques des vidéos qui sont devant vous, elles sont plutôt bonnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les stats sont plutôt bonnes. On arrive à avoir une diversité au niveau des invités. Malheureusement, il y avait un point essentiel qui faisait que ça ne fonctionnait pas avec ma collaboration. Nous n'avons jamais réussi à trouver un sponsor nous permettant de couvrir nos frais de production. Jamais. Et je dois vous avouer quelque chose, à cette époque, j'étais dans l'incompréhension totale. Comment expliquer qu'un concept qui fonctionne, qui a l'air plutôt innovant, qui parle à un public, ne rencontre pas de succès auprès des marques et aucune d'elles ne souhaite finalement s'y affilier? Ben, j'ai toujours pas la réponse. J'ai la réponse, je rigole. Finalement, à cette époque, je vais être rongé par la frustration. Là, je vais rentrer dans du un peu plus personnel. Je vais être rongé par la frustration, ce qui va me pousser à me mettre de côté, à prendre du temps finalement, et à analyser le marché. Lorsque on regarde bien, durant l'année 2015-2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une énorme transformation dans le paysage musical. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'arrivée du streaming, l'arrivée des plateformes de streaming telles que Apple Music, Spotify, Deezer. L'arrivée du streaming en France a fait en sorte que le rap devienne à ce jour la musique, le genre musical le plus écouté en France. Selon moi, c'est grâce au streaming. Pas que, mais le streaming a beaucoup contribué à cela. L'époque où je me suis mis en retrait aura duré 3 ans. Durant cette époque, comme je vous ai dit, la musique a changé, le rap a évolué. Et durant cette période de retrait, j'ai pu constater que les graines qu'on avait plantées avec ce concept poussaient chez la concurrence. Et après analyse, on a pu constater que la plupart de nos concurrents ont adapté leur format. Des formats beaucoup plus courts, des formats beaucoup plus séquencés, des formats qui seraient axés sur la personnalité de l'artiste. Alors finalement, lorsque je préparais cette présentation, je me suis fait la réflexion suivante. Si je pouvais réécrire l'histoire, je ne referais pas les mêmes choses. C'était mon ego qui avait fait en sorte que je me mette en retrait. J'étais clairement touché et j'acceptais pas la défaite. Je n'ai jamais accepté la défaite, finalement. Mais j'aurais investi mon argent dans ma production. J'aurais cru en mon idée. Et j'aurais tout fait, finalement, pour que le projet qui est ici présent devant vous soit prêt lorsque le marché serait prêt. A contrario, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en retrait. Et j'ai vu les autres continuer, réadapter leur format et finalement être présent lorsque les marques seraient prêtes. Alors, si j'ai bien retenu quelque chose de cette aventure, c'est que si vous êtes dans la même situation, si vous avez une idée, si vous avez envie de la partager avec vos amis, et que lorsque vous la partagez, personne ne la comprend, mais que vous êtes sûr de vous, que vous la travaillez, que vous avez confiance en vous, n'abandonnez pas, parce que vous êtes peut-être à l'aube de quelque chose de nouveau. Je conclurai en disant que sur le marché de l'influence, il est totalement possible d'exister en étant créatif, mais finalement, ceux qui marqueront l'histoire seront les plus innovants. Merci beaucoup.